Ça a été un débat à la fois très riche et très, très animé. Et je crois que sur ce thème de la tolérance, qui était ce soir celui de la tolérance mutuelle, cette initiative de l'association marocaine de la Légion d'honneur a permis de faire un état des lieux et de savoir dans quelle direction nous allions continuer à travailler pour que cette réalité marocaine ancrée dans la richesse de toutes nos diversités puisse avancer, puisse se confronter et puisse élargir à la fois son impact et son champ de réflexion. Donc ça a été 2 heures très, très utiles et très fructueuses. Ce soir, cette manifestation qui a été organisée par l'association marocaine de la Légion d'honneur a pour but de traiter de la tolérance mutuelle, un thème d'actualité qui nous intéresse, qui nous interpelle et qui nous demande de réfléchir sur le vivre ensemble. Vivre ensemble dans de bonnes conditions, en acceptant les uns et les autres, les différents courants, les pensées, les religions, les générations, les civilisations, les pensées dans un pays ou dans un autre. Et tout ça nous permet d'avancer ensemble dans le cadre d'une cohérence, d'une coexistence et d'une acceptation de l'autre. Et je crois que c'est un peu le fondement de cette conférence qui a été riche par la présence d'éminents intervenants, le professeur Ali Ben Mkhlouf, le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay et M. Abdelilah Tourabi, qui nous ont entretenus sur un sujet qui intéresse la société marocaine. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette conférence sur la tolérance mutuelle organisée par l'association marocaine de la Légion d'honneur. C'est un thème qui est en fait universel, qui parle à tout le monde, que ce soit au Maroc ou en France. Évidemment, la tolérance ou l'intolérance ne va pas forcément se focaliser sur les mêmes sujets, mais ça parle à toutes nos sociétés. Et c'est une manière pour cette association donc, de personnalités marocaines qui ont reçu cette distinction, la Légion d'honneur, de participer au débat public à travers cette conférence et de mener ainsi des activités visibles. Voilà, donc je souhaite à cette association plein succès avec d'autres conférences de ce type ou d'autres actions plus concrètes sur le terrain.